Je pense que dans cette affaire, il y a aussi une petite raison du côté de Mada. Excusez-moi, je ne me chargeais pas. Mais écoutez ce panel-là. Le monsieur dit normalement la maison où la dame allait chasser, là, ce n'est pas la cour familiale. Parce que quand on parle de cour familiale, non, c'est mieux. Vous m'écoutez. Et regardez, est-ce que le gars, ce qu'il a dit là, c'est vrai ou c'est faux? JMCPK, regarde la vidéo. Va exposer son mari, mais comprenez directement, parce que les gens reviennent, non, elle n'a pas le droit de vendre la maison parce qu'elle n'était pas mariée avant d'avoir cette maison. Mais elle dit, elle s'est mariée en 2007. Vous-même, vous avez sorti les documents de mariage de Mada de 2007. Mais qui a fait les documents de mariage? C'était dans le vivant de Monsieur Tiouté-Chèque. Maintenant, Monsieur Tiouté-Chèque, là, il a bénéficié, il a joui de cet acte de mariage-là dans tous ses clubs. Elle était reconnue en tant que femme épouse de footballeur. OK? Elle a eu ce salaire-là. Et lui aussi, ses impôts. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais quand vous dites que vous voulez fuir, vous voulez creuser. Mais quand les Chinois vont creuser, quand l'Angleterre va creuser, tous les clubs où Tiote Cheikh est passé, quand ils vont vouloir creuser, est-ce que ça va arranger cette famille-là? Ça va arranger toute la descendance de Cheikh Tiote? Parce que vous voulez combattre Mada, mais pensez aux enfants de Mada. Pensez aux enfants de Tiote. Vous voyez, ce n'est pas que les enfants de Mada. Les enfants, ils ne s'appellent pas Mada, ils s'appellent Tiote. Les noms de famille-là, le nom-là, ça commence par Tiote. Donc pensez à ça d'abord, avant de descendre pour dire Mada, Mada, Mada. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, j'aime me muter si ça, monsieur le président, parce qu'apparemment, tu n'es pas dans les brèves, tu n'as pas écouté la version de Mada, tu n'as pas tout entendu. Et cette veuve-là, voilà ce qui s'est passé dans la vie de cette veuve-là. Un peu? Oui, je me mute. Je vais juste compléter tes dires en une phrase. OK. On a posé la question au frère de Tioté qui vit ici en Europe. On la pose, donc elle a posé la question en disant depuis quand as-tu des nouvelles de tes enfants, c'est-à-dire de tes neveux et tes nièces? Il a répondu en disant que la dernière fois qu'il a parlé à ses neveux et ses nièces, c'est en 2022. Vous-même, même vous-même, soyons sérieux. Pour les oncles et les tantes qui s'inquiètent pour les neveux et les nièces, depuis 2022, tu as pris des nouvelles de tes nièces et de tes neveux. Soyons quand même sérieux. Aujourd'hui, vous venez vous battre en disant que non, vous voulez du bien de ces enfants. Non, quand même. Soyons sérieux. Vous Maintenant, venez vous battre, c'est parce que vous avez votre intérêt derrière. est-ce qu'on Merci. on peut maintenant placer un mot? Oui, allez-y, président. Après vous, je fais tourner la parole là parce que j'ai beaucoup de demandes en bas, en fait. D'accord. Allez-y. OK. Monsieur, on vous a écouté avec beaucoup d'intérêt. Vous avez dit que tout le monde a fermé la porte à Mada. Vous devez vous poser la question, pourquoi tout le monde lui ferme la porte? OK? Même Hassan Hayek est en train de faire une publication ici. Et elle a contacté tout le monde. Mais est-ce qu'au moment du décès du mari, c'est elle qui a bénéficié de tout l'argent? Et tout le monde sait qu'elle a bénéficié de l'argent, même si elle n'a pas dit la somme aux gens. Mais posons-nous la question. Tiote qui était émis, parce que c'est pas, on ne connaît pas Mada, c'est Tiote qu'on connaît. Et donc, si quelqu'un doit avoir un penchant, c'est pour Tiote. Pourquoi tout le monde lui ferme la porte? Est-ce que Mada, au décès de son mari, est restée pauvre? Est-ce qu'elle n'avait rien du tout? Elle n'a bénéficié de rien du tout? Ça, je ne crois pas. Donc, la réalité aujourd'hui, c'est que vous dites que la maison appartient à la famille Tioté. Mais c'est la famille Tioté qui est dans la maison. Les enfants Tioté, là, quand ils seront majeurs demain, et je ne crois pas que Kolo Touré, qui était le capitaine des éléphants, dont le capitaine de Tioté, ait abandonné Mada. Moi, je ne crois pas à ça. Est-ce que vous comprenez? Je ne crois pas que Kolo Touré et abandonné Mada. Je ne crois pas que Yaya Touré ait abandonné Mada. Je ne crois pas que Didier Drogba ait abandonné Mada. OK? Donc, moi, je ne suis pas là pour dire Mada a bien fait de dilapider ou de ne pas dilapider parce que je n'ai aucune preuve
pour attester qu'elle n'a plus rien, qu'elle a dilapidé l'argent. Mais je n'ai pas su de constat. Est-ce que c'est quoi on dit? Qu'elle aurait proposé à un jeune Sénégalais d'être baby-sister? Est-ce que ce qu'Hassan Hayek dit là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que d'autres témoignages disent là, est-ce que c'est vrai? Si je parle de ce constat, il appartient à Mada Dono dit, j'ai reçu de l'argent au décès de mon mari et l'argent est perdu. Maintenant, si l'argent est perdu, comment l'argent est perdu? Est-ce qu'elle a dépensé sur les enfants tutés? Elle a payé leur scolarité? Elle a logé les enfants? Et puis, elle n'a plus rien. On peut comprendre que ça, ça peut arriver à tout le monde. Mais moi, pour que j'aie de la compassion pour Mada, pour que je sois sûr que Mada n'a plus rien, il faut que Mada le dise de manière publique pour dire « je n'ai plus rien ». Ou bien qu'elle vienne me dire à moi « je n'ai plus rien ». Et tel que je connais les footballeurs du Côte d'Ivoire, personne ne laissera une veuve à la merci du public comme ça. Je ne crois pas à ça. Même si ces joueurs que vous qualifiez de méchants, de mauvais, d'être ceux qui payent les blogueurs, Dieu est témoin de tout. Mais moi, je ne crois pas à ça. Donc, ce que je peux vous dire, monsieur, il appartient à Mada d'être clair avec les gens, de dire aux gens, je n'ai plus rien. Voilà ce que j'ai reçu. Je n'ai plus rien, j'ai besoin d'aide. Mais elle ne peut pas taper à toutes les portes et qu'on lui ferme toutes les portes. C'est qu'il y a un problème réel avec Mada. Je ne la connais pas, mais je ne crois pas à ça. Donc, ce que je peux vous dire, c'est ça. Maintenant, la maison où la famille est. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire, oui, cette maison-là n'appartient pas à la famille. Mais la famille y habitait du vivant de Tchouté. Si Mada voulait entrer en possession de la maison, elle aurait dû le faire avec son mari. Mais on nous dit qu'elle a vendu la maison pour laisser la famille à l'intérieur. Mais avant de vendre la maison, tu te mets d'accord avec la famille, tu les informes pour dire voilà, pour telle raison, je vends la maison. Les enfants ne sont pas encore majeurs. Donc, moi, le débat que moi je mène concerne la maison. Mais je vous dis que cette procédure peut être étendue aux autres biens pour déterminer si Mada aujourd'hui est à mesure d'avoir la tutelle des enfants. Si elle a mesure, si elle a la capacité aujourd'hui d'être la représentante légale des enfants. Voilà, j'ai un tonton qui avait vécu la même situation au Mali où il avait épousé une autre femme et puis après elle avait commencé à vendre ses biens. Et à un moment donné, les enfants qui sont majeurs, ils ont saisi la justice et la justice a bloqué tous les biens. Ils ont dit aux vieux qu'ils ne pouvaient plus vendre les biens. Donc, ça peut arriver parce que c'est dans l'intérêt des enfants. Le procureur de la République, quand quelqu'un me dit que c'est une affaire civile, le procureur de la République a l'obligation de défendre, de protéger l'intérêt des enfants. Quand il n'y a pas de représentant légal, alors le procureur de la République, il y a un signalement qui lui est fait et prend la relève. Et c'est lui qui garantit l'intérêt des enfants. Donc, voilà ce que je peux dire, pour ne pas être seul à prendre la parole. Merci. Enfin, ce que je veux dire, le procureur, généralement, le procureur, quand il s'est saisi du dossier, ça passe directement au pénal. Donc là, c'est dans ce cas de figure-là, c'est le juge hein, qui doit prendre la décision de soit lever toutes les maisons qui ont été vendues. C'est un juge, en fait, pas le procureur. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais c'est de ce que je parle, au fait, quand je parle du procureur. Parce que quand le juge va décider, ça c'est concernant déjà la maison et ce qui exactement va se passer, les biens. Si. Mais quand on va constater, quand ils vont constater que les biens ne sont pas là. Exactement, voilà. Toutes les dénonciations qui sont tout, si ces documents étaient vraiment de faux documents qu'elle a utilisés pour... ça devient un truc pénal là. Ouais. Pénal, voilà. Comme de la manière que quelqu'un a dit publiquement la dernière fois que l'acte de mariage n'était pas enregistré. Et quand la justice va se rendre compte qu'effectivement l'acte le mariage n'est pas enregistré, ça c'est pénal. Exactement. Voilà. D'accord. Germaine. Coucou Germaine. Germaine, est-ce qu'elle est là? Germaine, une fois, deux fois, trois fois. Daoudé, vas-y. Daoudé, tu peux te démuter, s'il te plaît? Appuie sur ton micro.
Tu vois le micro qu'il y a devant toi, appuie sur le micro. Je pense que lui non plus, il n'est pas là. Pourtant, je l'ai vu en pause tout à l'heure. Hein. Freddy? Oui, allô? Oui, allô, bonsoir Freddy. Bonsoir, je pense que Freddy, lui, il soutient Jesse J à fond. Hein, donc, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Je vais bien, et toi? Ça va, merci, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Et merci tous ceux qui sont sur cette planète. Moi, sincèrement, c'est ma deuxième fois d'intervenir dans cette histoire. Mais je soutiens tous ceux qui cherchent à régler le problème et non ceux qui cherchent à enfoncer quelqu'un. Mine de rien, ce qu'on sait aujourd'hui, madame, sur les papiers qu'on nous a vus, madame est toujours mariée. Quand on dit la famille Tioté, hein, on ne doit pas laisser Mada. Mada est toujours la famille Tioté. On vient les marier. Alors je l'ai dit, alors dis ça. Allô? Est-ce que tu fais le risque? Allô? Oui, un peu plus près de. S'il met ton micro, hein, on t'entend. Mada, elle est toujours mariée. Il n'y a pas eu de divorce quelque part. Donc, elle est toujours de la famille Tioté. Donc, tous ceux qui cherchent à régler le problème, comme je sais, moi je les soutiens. Voilà. Parce que Vladimir, maintenant, en plus de cela, vraiment, vous qui êtes en contact à Mada, dites-la qu'elle arrête de participer au live des bloqueurs. Qu'elle arrête de les appeler. Si elle a quelque chose à dire, elle appelle ses beaux-parents pour échanger avec eux. Si elle et ses beaux-parents ont décidé d'aller à la justice, qu'elle attend la justice. Mais tout ce qu'elle dit sur les réseaux sociaux sont enregistrés. Ça peut la compromettre demain à la justice. Elle n'a pas de compte à rendre. Si elle a compte à rendre à quelqu'un, c'est à ses beaux-parents et la justice. Est-ce que exactement. Merci beaucoup, Freddy. Merci, madame. Victorieux. Allô, Victoria. Allô, Sylvie, bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. En fait, moi, je suis montée parce que j'écoutais l'intervention de zone de turbulence. Mm-hmm. Je voulais juste poser deux questions. C'est possible? Bien sûr. Babani, tu es là? Oui, coucou Babani. Pose tes questions, je t'écoute, je suis là. Ok, il est là. Vas-y. Voilà, sans injure, hein, dans le respect. Sans non, ce sera dans le respect, t'inquiète pas. Ok, merci beaucoup. Zone de turbulence, mon frère. Ouais. Je voulais te poser une question, te demander si c'était toi qui t'es retrouvé à la place de Timothy. Tu avais des biens, tu étais marié avec une femme, tu avais des biens. Tu avais beaucoup d'argent. Et tu t'es marié également avec une femme. Et tu avais acheté une maison pour donner à tes parents. Je touche du bois, hein. Je ne sais pas que ça t'arrive. Je touche du bois. Hein? Et que tu apprends après que la dame, bon, de ton vivant, la dame avec qui tu t'es marié là. Hein? Mais tes parents t'ayant. Réponds s'il te plaît. Laissez-la poser sur sa question. Réponds s'il te plaît, madame. Si c'était toi qui t'es retrouvé à la place de Tioté là, quelle allait être ta réponse et ta chose? Oui, ta réponse. Si c'était moi à la place de Tioté. À la place de Tioté, tes parents sont dehors là. Quelle serait toi ta réaction plutôt? Si c'était moi, j'étais à la place de Tioté là. Oui, tu avais marié une femme qui met tes parents dehors. Comment tu allais réagir? Qui t'arrache tous tes biens, qui dilapide tous tes biens. C'est-à-dire que tu as travaillé à la sœur de ton front. Tu as travaillé à la sœur de ton front, tu as eu l'argent. Hein? Quand on travaille là, c'est pour s'occuper de sa famille, c'est pour aider sa famille, c'est pour mettre sa famille à l'abri. Et puis un matin comme ça, de ton vivant, la femme te demande un divorce et puis après, elle s'accapare de tous tes biens et la maison que tu as achetée pour tes parents, elle les jette dehors. Comment tu allais réagir? D'accord, laisse-le réagir maintenant. Tu lui as posé une question, faut qu'il réponde. Ok. D'abord, pour vous répondre, si c'était moi, tel que la famille dit, qu'ils se sont promenés de maison en maison
Ils ont galéré. Et puis papa est mort, maman est mort. Et puis c'est entre nous frères et sœurs. Et puis je viens de me marier avec une telle personne. Et que je deviens footballeur international. Yann, première chose que j'allais faire là, j'allais sécuriser ma famille d'abord. Mes frères et sœurs d'abord. Et quand j'allais les sécuriser là, parce que c'est dans mon vivant. Tu comprends? J'allais les sécuriser. Et c'est ce que ce monsieur il a fait. En les sécurisant, comment il les a sécurisés? Il a envoyé ses frères, tous ses frères en Europe, en Occident. Il a ouvert la porte pour un, en lui disant, bon, vous êtes là, on ne va pas compter sur moi seul. Je vais faire quelque chose. Je vais envoyer un en France ou bien en Occident. Et lui, là, quand il va avoir l'opportunité, qu'il envoie l'autre. Et l'autre aussi, qu'il envoie l'autre. OK? Et c'est, je viens, pardon, mon frère, laisse-moi parler. Donc, sur cette base-là, déjà, là, hein, il a envoyé un frère déjà ici en Europe. Et quand ce frère-là est venu, là, ce frère-là, il n'a pas pu faire quelque chose. Il a envoyé un deuxième frère encore en Europe. Il n'a pas pu faire quelque chose. Il a envoyé un troisième frère encore en Europe. Il n'a pas pu faire quelque chose. Et malgré qu'ils n'ont pas pu faire quelque chose, là, c'est lui encore Tioté, là, qui prenait ses frères-là en charge. C'est lui qui payait les maisons. C'est lui encore Tioté, là, hein, qui leur donnait l'argent de poche. Voilà. Donc, à ta question, pour bien répondre à ta question, attends, doucement, laisse-moi finir, madame, mets-toi. Pour répondre à ta question, là, hein, si c'était moi qui étais à sa place, à ma famille, là, j'allais les mettre à l'abri. J'allais pas mourir pour laisser ma famille dans la merde. Et pour vous dire, pour répondre à votre question, et encore, je vous ai répondu à votre question, parce que ma famille, j'allais pas les mettre dehors, ils allaient pas se retrouver dans la rue. Et encore, quand on dit maison familiale, là, c'est pas maison des petits frères, grands frères. Maison familiale, là, c'est ce que le père et la mère de Tioté ont laissé à Yamoussoukro. C'est ça qui est la maison familiale. La maison où la famille, où les frères et sœurs sont là, c'est la maison des enfants de Tioté. Voilà la famille de Tioté, c'est sa femme, ses enfants. Maintenant, du moment où sa mère ne vit pas là, le reste là, ils n'ont qu'à aller chez les maris, ils n'ont qu'à aller trouver les femmes, chacun n'a qu'à faire sa vie. Voilà, merci. Mais c'est pour Babani. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Hein. Tu as tourné en rond. Tu n'as même pas répondu à ma question. Répondez à ta question. Oui, tu n'as pas quoi, répondu à ma question. Si la maman de dont tu parles que la maman de Tioté, le papa de Tioté, on reçoit. C'est pas ça. Il a répondu à ta question. Tu n'as pas répondu à la question, Sylvain. Il a passé son temps à tourner. Il m'expliquait juste des choses. Pose encore. Je lui ai demandé si c'était lui qui était Tioté. Maintenant, lui, il se dit que c'est Tioté. Il allait assurer la question. Je dois te demander aussi. Tu sais que la mort ne les prévient pas. Tu peux être en train de manger, puis un coup tu meurs, tu sais ça. Tu sais que la mort ne prévient pas. Tu sais aussi que le karma aussi existe, tu sais ça. Il a joué pendant 10 ans. Il a joué pendant 10 ans. Est-ce qu'il savait qu'il allait mourir un jour? C'est pas question de savoir. Toi, tu ne connais pas le jour de ta mort. Toi-même, tu parles là, tu ne connais pas le jour de ta mort. Je suis d'accord. Tioté ne connaissait pas le jour de sa mort. Madame. Tu sais qu'on a dit Tioté, Yann. Il a détecté un crise cardiaque à Tioté. Pour défendre une cause. Attends, madame. À la place des personnes qui vivent la cause. On ne défend pas parce qu'il faut. Allez vite, tout doucement, mesdames. Allez vite, tout doucement. On ne défend pas parce qu'il faut défendre. Mettez-vous à la place des parents. Ce que les parents vivent, ce que les parents ressentent. Si c'était toi qui avais marié quelqu'un et que la personne dilapidait tous les biens là. Et puis tes parents étaient dehors là. Tu allais te sentir comment? Tu allais ouvrir un panel, venir t'expliquer. Venir prendre pour le poule. Il y a combien de personnes que, au fait, il y a des panels que les gens ouvrent. C'est pour faire juste des règlements de compte quoi. C'est même plus l'une histoire des familles d'Ethiopie. Parce que depuis, ils sont dessus le là. C'est les injures. Les injures. Non. Ici, là, non. Victorieuse. Attends, attends, Vittorio, je ne suis pas d'accord avec toi. Sur ce panel-là, personne n'a invectivé quelqu'un depuis qu'on a commencé ce panel-là. Avant non. Le président ne parle là, le monsieur, la zone de turbulence, quand oui, il parle non, là. Oui, mais non, je l'ai vu là. Non, il n'y a pas eu d'injure. C'est une incompréhension. Non, je suis désolée là. On doit être. Il n'y a pas eu d'injure ici, il n'y a pas eu d'invective ici. Peut-être que tu te trompes de panel, voilà. Ici, comme je le dis. Il faut les répondre dans les commentaires là. Ça ne va pas chez vous. Mais dans les commentaires, il faut aller. Écoute, ce que tu vas comprendre, c'est que. Il y a mon déperdu. Débat, quand vous voulez parler la conscience à la femme de Tioté, ça va pas chez vous. Attends, Vittorio, attends, allez tout doucement. Tu sais, on a mis ce panel-là pour qu'on puisse se comprendre. On peut ne pas être d'avis, mais on discute, c'est un débat. On ne va pas venir mettre les organes pour essayer de les insulter comme les autres le font. Non. Voilà, donc de grâce.
maintenant, oui, oui, non, vas-y. Où elle est en train de parler d'injure. Oui. Quand ma cousine est en train d'insulter la dame, insulter tout le monde, elle n'était pas là-bas pour leur faire la morale. Ah bon, elle va venir. Les gens, ils comprennent pas. Ici, on n'a pas insulté. Là. Et on n'a pas insulté. Sylvie, je dois prendre la route là. Je dois prendre la route, je vais descendre. Je descends. D'accord, c'est compris. Désolé. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup d'être passé. Ok. Bon dimanche. Merci. Mmh. Alors, écoutez, je vais jouer ça. Je pense que tout à l'heure, ils étaient en train de faire un calcul arabe avec Google Traduction. Pour eux, ils ont reçu un document venant de la Chine. Hein. Ça, c'est eux qui le disent. Donc, ils étaient en train de traduire. Maintenant, la question que moi, je vais vous poser, messieurs, dames, hein, qui travaillaient et tout. Est-ce qu'une personne qui travaille, qui est mariée, qui a sa femme et ses enfants, quand la personne décède sur son lieu de boulot, malgré ses cotisations et tout, lorsque l'entreprise doit donner un montant, est-ce que dans ce montant-là, on soustrait la part de la famille, des frères et des sœurs dedans? Je veux que vous me répondez parce que peut-être que c'est moi qui ne comprends pas bien. Si je veux répondre à ça, je suis employée CDI Amazon depuis quelques années. D'accord. Donc, je vais répondre par rapport à mon contrat de travail. Ok. Bon, mon contrat de travail, les ayants droit de ce qui concerne mon travail, si je meurs, c'est sans mes deux enfants. Et encore, si mes enfants n'existent pas, n'existent plus, c'est mes parents. Mes frères n'ont rien à voir dedans. Donc, tout ce que je cotise sur Amazon International, le jour où je mourrai, c'est sans mes enfants et mes parents qu'on appellera. Tant ou tard, si je me marie, je pourrais rajouter mon mari dedans. C'est pas mes frères et sœurs qu'on va appeler. C'est pareillement pour mon assurance décès. Je dis bien assurance décès et non assurance vie. Vu mon cœur, j'arrive. Je dis bien l'assurance décès. Désolée, c'est ma fille. Je dis bien l'assurance décès et non l'assurance vie. L'assurance vie, c'est dès l'instant où tu commences à en avoir déjà du patrimoine. Donc, pour là, quand je n'ai pas encore du patrimoine en France, on parle d'assurance décès. Donc, sur mon assurance décès, ce sont mes enfants qui sont les ayants droit. Mes frères et sœurs n'ont rien à voir avec. Quand j'aurai l'assurance vie, je pourrai mettre mon père, ma mère, mes enfants. Mes frères sont très loin de posséder ce qui me concerne. Donc, merci. Et je veux aussi répliquer en disant les gens qui disent terrain familial. Pour moi, le terrain familial, c'est ce que le père et la mère ont construit, qui ont laissé aux enfants. Même pas, Sylvia, va même pas trop loin. Attends d'abord, ma chérie. T'as tout le temps, va développer. Oui. Alors là, je pense qu'ils étaient en live tout à l'heure, hein, le groupe des Marcosso et autres, là, des blogueurs. D'après eux, ils ont reçu le contrat de... Oui. Excuse-moi, oui. Que tu passes à une autre question. Par rapport à ce que à ce que la question que j'ai posée, j'aurais voulu donner aussi ma réponse. Ok, vas-y. En fait, je voulais dire quelque chose. Je voulais dire que pour moi, j'ai comme l'impression qu'on fait du hors-sujet. Parce que par rapport aux faits, la famille n'est jamais venue en fait réclamer ce que la Chine ou ce que qui que ce soit ou ce que les amis ou ce que le président a peut-être donné à notre sœur madame. Le débat, c'est pas ça en fait. Le débat, c'est comment se fait-il que, après tout ce que tu as reçu, tu as été capable de venir encore réclamer cette maison. C'est ça le débat en fait. C'est pas des vagabonds, c'est pas des nécessiteux. Ils ne sont jamais de toutes les explications que même Mada elle-même a pu nous donner. Elle n'a pas dit que la famille m'a appelé pour me demander ça, pour me demander ci. Et eux-mêmes, chacun a donné un peu ses fonctionnalités. On a des cadres, on a des légionnaires, on a des gens quand même qui travaillent, qui s'assument. Donc là, ils sont pas venus réclamer quelque chose avec la veuve. Je ne sais pas si tu me comprends, ma soeur. Moi, un peu, c'est ça. Non, je comprends. Au début, c'était ça. Mais maintenant, on s'en rend compte que ça part dans tous les sens, là. Voilà, sinon, quand tu écoutes le frère Momo qui parlait, il a clairement dit, quand on lui a posé la question de savoir, est-ce que Mada est venue une fois leur parler de sa situation financière et tout, il était clair. Il dit non, Mada ne nous a jamais approchés. Elle ne nous a jamais dit que les enfants avaient des problèmes, ni elle-même, parce que Mada s'occupait de nous. Il a été clair, là. Donc, ça sous-entend que Mada s'occupait d'eux. Et du fait que Mada s'occupe d'eux, Mada ne pouvait pas encore aller les voir pour dire, franchement, j'ai des problèmes. Moi, je ne parle pas de ça, en fait. Je dis qu'il y a une vidéo qui est... Ils ont fait un live. Je tiens aussi à souligner une chose par rapport aux
aux gens qui sont dans les commentaires et tout, je tiens à souligner que s'il veut vraiment, c'est pas parce que là je suis dans ton live, mais moi j'ai suivi l'intervention d'une maga, et la personne avec pour qui j'ai eu un grand respect, c'était toi. Parce que quand tu étais de son côté, tu essayais quand même de concilier un peu les choses, tu as été vraiment impartial sur certaines questions. Tu as même hésité, tu n'as pas hésité même à revenir sur des questions, insister, qui t'a énervé même d'autres de tes collègues et tout ça. Voilà, pour qu'on puisse vraiment comprendre. Voilà. Moi, aujourd'hui, ce que je veux dire, si on veut rentrer dans les explications en profondeur, nous-mêmes, on sait très bien que ça ne va pas arranger Mala. Et même nous-mêmes qui prenons en fait le côté de la famille, on sait que ce sera aussi une façon pour nous de les exposer. Moi, ce que je veux dire, je n'apprécie pas, par exemple, les interventions de ma soeur Sylvia, par exemple, qui dit bande de paresseux, qu'ils aillent travailler et tout. Non. En fait, je vous dirai un truc. Faites comme Sylvie. Je n'ai pas traité quelqu'un de paresseux, je n'ai jamais injuré quelqu'un. Désolée. Non, excuse-moi, c'est pas toi, c'est la Camerounaise qui parle avec le président. Désolée, ma soeur. La Camerounaise qui parle avec le président. C'est juste avant toi, je crois. En fait, moi, ce que je veux dire, et j'ai tout à l'heure eu même à échanger dans les commentaires en bas avec Koudédia, qui est la cousine directe de Mada. Vous voulez défendre Mada, faites-nous comprendre vos arguments. Moi, j'aime bien les panels où on débat, où on échange et tout. Mais nous, on ne citons pas. Nous ne disons pas que la famille, c'est des bons à rien, c'est des bonnes à rien et tout. Non, c'est des pères de famille. Eux, tout s'assume. Le problème, ce qui a fait aujourd'hui qu'il y a la révolte, c'est sur cette maison-là. C'est sur cette maison-là. Et je veux aussi m'adresser. Moi, en fait, je voulais vous dire certains points qui m'ont interpellé par rapport au truc. C'est que pour moi, en toute honnêteté, en toute objectivité, même si B et les autres, vous savez très bien que quand bien même Mada soit dans sa raison, elle n'a pas convaincu. Sa sortie n'a pas du tout convaincu. Et là, peut-être c'est grâce à des panélistes comme Sylvie et autres qu'on essaie quand même toujours d'avoir, on va dire, le juste milieu, on essaie quand même de la comprendre aussi parce que eux font un travail de fond à l'expliquer. Mais sinon, en tout normal, ce qu'elle nous a dit, personnellement, moi, en tant que prêtre, j'ai rien compris. Il n'y a rien qui a été convaincant, il n'y a rien qui a été expliqué. Donc, par exemple, si Baby demande, Mada, est-ce que s'il te plaît, tu es propriétaire, fais dit nous, je suis propriétaire, mais là tout de suite, je ne suis pas chez moi, je suis chez ma grande sœur. Pour moi, ça porte à condition, en fait. Quand lui demande, Mada, est-ce que tu as un véhicule? Oui, j'ai un véhicule, mais j'ai des problèmes de yeux, je ne veux pas conduire la nuit, donc je croyons. Pour moi, ça porte plus à condition. Et c'était mieux de ne pas sortir. Donc voilà un peu ma sœur, mon avis. D'accord, il n'y a pas de souci. Hein. Okay, parce que pour moi, je pense qu'elle ne voulait pas parler parce que comme elle a si bien dit que si elle parlait, elle exposait son mari. Et cette histoire-là, tu sais, c'est une histoire des familles et c'est plus complexe que ce qu'on le voit. Hein. Parce que je pense que si on veut vraiment rentrer, c'est pas nous, si les gens veulent rentrer dans une profondeur, c'est clair que son mari même, hein, il y aura trop de choses qui seront dites autour du monsieur et ça sera d'humilier la dépouille de son mari. C'est pour ça que je crois que c'est pour ça qu'elle ne voulait pas rentrer dans les détails, en fait, dans beaucoup de considérations. Sinon, ça ne plairait à personne de se voir diffamer comme ça sur la toile, hein. Ça, c'est clair. Mais bon, pour moi, je respecte son point de vue. Elle ne voulait pas, et comme elle n'arrête pas de le dire, ce sont ses maris, qu'ils le veuillent ou pas, ils sont condamnés à vivre ensemble. Hein. Voilà, peu importe ce qui peut arriver et tout. Moi, je pense que du moment où elle parle de conciliation, il faut qu'on comprenne et puis qu'on les laisse régler leurs affaires. Voilà, il ne faut pas qu'on essaie encore de venir encore venimer. Ça, parce que nous, attends, on se sent offusqués parce que la dame est un peu trop diffamée. Il faut juste doser maintenant. Ouais. Doser, c'est tout. Là, actuellement, ça ne sert à rien qu'on vienne mettre le piment pour dire... Mais c'est maintenant que les blogueurs sont décidés à en découdre avec elle, coûte que coûte. Hein. J'ai posé la question exprès hein, pour savoir, parce que pour ceux qui bossent, tu sais que quand tu travailles et tout, même s'il y a des trucs à te verser, quand tu décèdes, tes cotisations et tout, c'est pas pour tes frères et sœurs. Si tu n'as pas d'enfant, on va remettre ça à tes parents, ta maman ou... ton père, si ceux-là ne vivent plus, c'est là maintenant qu'on prend en compte. Avant que tu continues sur le salaire, là. Non, je ne vais pas continuer, je vais juste faire un petit commentaire. Ce qu'on reproche à Mada, c'est la moralité peut-être. Laissons affaire du côté du droit. Ce que grand frère zone de turbulence, ce qu'on lui reproche aujourd'hui, là, c'est sa moralité. Parce que, en fait, tout autant elle est tiotée, tout autant...
dont ceux qui ont été mis dehors sont traités aussi. Ils font tous partie d'une même famille. Et plutôt, la question qu'on doit plutôt se poser, c'est... Je suis là, il n'était pas là, il vient d'arriver en soi. Et puis tu t'es retrouvé. Ah, ok. Pardon? Je disais que la question... Là, je viens d'arriver, oui. D'accord. Je disais, en fait, mon grand frère, que par rapport à... La seule chose qu'on peut lui reprocher, moi je laisse à faire des droits, tout ça, faux, pas faux, moi je ne rentre pas dedans. Je ne veux pas diffamer sur quelqu'un. Mais ce que je veux dire, c'est, de la même façon dont elle est tuotée, la famille aussi est tuotée. Ce qu'on doit demander à madame, c'est, ma soeur, qu'est-ce qui n'a pas marché depuis que tu t'es retrouvée jusqu'à mettre ta famille dehors? Ça, tu as mal fait. Moi, c'est la question que je vais vous poser. Voilà, c'est ça. C'est ça, ma soeur, madame, tu as mal fait. On ne fait pas ça. On est en Afrique, on est musulmans, on ne fait pas ça. C'est ce que je vais vous dire. Mais voilà. La première semaine, c'est ce que tout le monde disait sur la toile. Hein. La première semaine, mais moi-même qui défend Mada, j'avais condamné l'acte. Et c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y a un harcèlement qui ne dit pas le nom. On s'est dit, mais attends là, ça suffit. Tout le monde a condamné Mada pour l'acte. La première semaine, quand on a vu, oui, c'était... Voilà. Mais aujourd'hui, ce à quoi on assiste, après, je me pose aussi bien la question de savoir, la belle famille recherche quoi, en fait? Est-ce que le fait de cracher comme ça sur Mada, ça pourra le donner encore la maison? Parce que c'est vrai que les amis d'Eo, on n'en disconvient pas, on la condamne. Mais une chose aussi, est que faut qu'ils aient aussi raison gardée. Voilà. Parce que quand eux, on a commencé à les traiter de mendiants, par exemple, ils ont refusé qu'on fasse une litige pour eux. Vas-y, ça va, si on finissait, je vais jouer. Vas-y. J'ai dit. Dis-moi, tout à l'heure, là. Mm-hmm. Il t'a répondu à ta question. Il t'a pas répondu. Je t'ai dit. Non, tu confonds. Elle est descendue. C'est pas la même bagarre. Où t'es descendue? C'est pas la même. Non, il a répondu à sa question. Hein. Ah non, c'est pas avec moi que tu parlais. Ah d'accord. Moi, il m'a mis. Si bien, je t'ai dit. Ici, on nous fait croire que quand Tioté est mort, l'argent que la Chine a versé, les frères et sœurs de Tioté avaient une partie dedans. Mada avait pour elle et les enfants. C'est pour ça que j'ai posé la question. Hein. Donc on va les écouter. Je comprends mieux ta question maintenant. Moi, ça, c'est pas moi. Je ne défends pas dans la bêtise aussi. Ça, ce n'est pas vrai. Voilà. Quand tu travailles. J'ai compris toute ta question, c'est pour ça que j'ai répondu. Exactement. D'accord. Comment est-ce qu'on peut croire à ça? Comment? Si ce n'est pas, excusez-moi, quand je dis que les gens sont des analphabètes, vous comprenez maintenant. Bon, il va falloir des gens qui n'ont jamais bossé, qui vendent des arachides en bordure de route, qui peuvent croire à cette super chérie, franchement dit. Mais pour des gens qui ont par exemple, les collègues de Tioté, par exemple, les joueurs là, la délégation qu'ils ont faite, on avait dit par exemple, ils ont fait les dons, les Alakadiama pendant les obsèques, les anciens pros, le président et tout, il y a telle somme qui est sortie, il y avait la part de la famille, la part de Mada, etc. Exactement. Là, oui, si. Pour les dons. Par contre, côté illégal, côté travail, côté truc, non, ça faut que je sois vérifié. Les joueurs là même, ils ont donné combien? Les joueurs là même, ils ont fait cotisation combien? Non, d'abord, ils ont donné combien? Il y a eu beaucoup de dons. Il n'y a pas du gouvernement. Et les dons, quand on donne les... Non, il n'y a pas justement des joueurs. Pardon, il faut les laisser au pardon. Je ne sais pas. Pardon, il faut les laisser. Parce que quand il y a des dons, on va dire 10 000 francs pour l'épouse, 5 000 francs pour la famille, et puis tant pour les enfants, bien pour les hommes. C'est comme ça, on fait bien pour la mère, quand la mère vit bien, quand le père vit, c'est comme ça. Mais tu dis que la Chine... Ah non, ça, c'est ma première fois d'entendre. Donc on va aller... Google Tradition, hein, apparemment, on dit. Hein. Bon, on va écouter. Hein. Mais 3 245 941. S'il vous plaît. Tu as la partie la page. En tout cas, merci beaucoup. Je vais laisser ça. Ça marche. Merci d'avoir. Il a donné combien? 3 millions combien? 3 millions et quelques. Okay. Pour qui? Pour la famille à charge. Parents à charge. C'est ça, non? C'est ça. Ok. Donc, vous avez dit que... On peut faire ça. Seigneur, Sylvie, les 3 millions là, c'est 3 millions d'euros. C'est 3 millions d'euros, Sylvie. Attends, Sylvie. Seigneur,
Est-ce qu'on va s'en sortir là? Si tu reprends ma question, pardon, c'est 3 millions, millions d'euros. Hein. Mmh. Mmh. Tout ce qu'on te parle de milliards. Ah oui, on te parle de milliards. Donc dans le dépôt, la famille a eu 3 millions d'euros. Est-ce qu'on peut croire ça de vous à moi quand même? Les gens qui prennent leurs abonnés pour les mais oui, mais c'est logique. Non, mais... c'est pour ça que les abonnés viennent nous inciter en commentaire. C'est pour ça qu'on se sont tous les bêtes. Franchement. Le berger dit alors si la parole aussi sur mais le berger dit je vous dirige là-bas aussi sur mon frère, il n'y a pas une question de est-ce que les Chinois ont le même régime. Écoute-moi très bien, généralement ce qui est dit en Chine compte tenu de, du loi du travail, c'est pareil partout. Tu comprends que tu sois au Burkina, en Côte d'Ivoire, en Europe, en Asie, c'est pareil. Les Chinois même sont encore plus stricts là-dessus, pour eux même c'est papa, maman, enfant les Chinois. Oui. Salut. Est-ce qu'ils ont des preuves de virement? Babani, j'en sais rien. Un document qui atteste ça. J'en sais rien, Babani. On va les écouter hein, dans la bêtise. Hein. Waouh. Ah, je veux pas de bruit à côté de moi. Allez dans la chambre. Enlève ça. Va derrière eux. Non, je veux pas de bruit ici, s'il vous plaît. Qui fait le bruit calme. Allez dans la chambre pour faire votre bruit là. Je veux pas de bruit là. Allez où? Et fermez la porte de la chambre parce que Chris il est là-bas, il parle comme si je ne sais quoi. Charge RMB 3 245 941. Tu as la partie de la subvention pour parents en charge, à charge, c'est ce que tu as dit là. 3 millions, je sais plus combien. Il a donné combien? 3 millions combien? 3 millions et quelqu'un. Okay. Pour qui? Pour la famille à charge, parents à charge, c'est ça non? C'est ça. Ok. Donc ça veut dire qu'ils ont donné des trucs pour la famille. Et puis ils ont dit quoi? RMB. C'est ça. Parents à charge. C'est ça. Voilà. On continue. Écoutez très bien. RMB veut dire. Ayez pitié de moi, ne m'en voulez pas. C'est quoi cette. RMB veut dire. Parents à charge. Bon, vaut mieux que je continue de jouer l'audio parce que je suis perdue là. Subvention pour les proches éligibles d'un montant de 3 245 941 yuan. Yuan là, c'est. 245,941 KMB de pension des proches d'entretien. Les trois dépenses susmentionnées s'élèvent à 3,964,497 RMB, soit environ 509 941,42 euros. Sur cette base, négociation entre les deux parties, la partie a payé 375,932.
temps. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de 500 et quelques mille euros qu'ils ont donné pour la famille à charge. Ça n'a rien à voir avec les 1 million d'euros qu'ils ont donné pour... Je ne sais pas si vous suivez, hein. Je ne sais pas si vous suivez avec moi. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs... L'argent a été donné en plusieurs parties. Et chaque partie avait... ils ont donné chaque partie pour des raisons bien précises dans le document. Voilà. De toute façon, les documents sont là. Après avoir écouté, on va s'il faut mettre sur une page Facebook pour que chacun puisse aller capturer la partie qui lui sied et puis aller faire traduire ça où il veut. Pour pouvoir comprendre, ben, on va mettre pour vous et puis vous allez faire ça comme ça. Donc ça fait environ 2 milliards qui ont été. Donc c'est l'information. Thierry, tout ce que les gens disent sur Madala, tout est vrai sauf ce que madame me dit. Vous allez comprendre ça. Tout ce que les autres disent là, c'est ça qui est vrai. Tout ce que madame dit là, c'est du pipo. Parce qu'elle a cherché à entourlouper les gens depuis le début jusqu'à la fin. À part ça, voilà. Elle a encaissé en Angleterre, elle a encaissé en Belgique et en Hollande. En Angleterre, elle a encaissé de l'argent. J'ai appris qu'en Angleterre, elle a encaissé au plus de 500 millions d'euros. Donc, on fouille cette histoire, on va tourner autour de 4 milliards, 5 milliards. Mais, j'ai appris aussi qu'en Belgique, où il a joué pour la première fois, là, ben, il a cotisé là-bas, elle a encaissé de l'argent là-bas. 4 ans en Belgique. Elle a encaissé aussi en Hollande. En Hollande, elle a pris l'argent un peu de partout. Vraiment, elle a compté tout le monde. Apparemment, il avait un compte bloqué aussi. Elle aurait eu accès à ce compte aussi. Parce que quand on a écouté le groupe, elle disait que le monsieur était malhonnête parce qu'il avait caché les comptes. Et sans oublier même ce que le monsieur avait sur son compte d'épargne et son compte courant. Parce qu'il travaillait pour avoir de mon nom, il devait justement avoir de l'argent si son compte n'est pas. Voilà. Le client qui était payé à 60 millions par semaine, je pense pas qu'il allait déjà l'argent comme ça comme un fou. Voilà, il boit pas, il fume pas, il va pas dans le bac, il va pas dans le bac, il ne fait pas chaud de champagne pour faire plaisir à quelqu'un. Tout son côté était entre ses montres et ses voitures. Voilà. Et puis pour ses constructions, pour assurer la vie de ses enfants, et puis assurer sa retraite. Voilà. Mada a encaissé l'argent de partout. Pour ne pas donner l'argent aussi des ayants droit, c'est-à-dire ses autres enfants, elle a mis bras sur tout, elle a caché tout. Elle dit que quand tu meurs en Chine, tu meurs avec ton contrat, et que tu ne peux pas mourir sur ton lieu de travail sans que tu t'es marié. Et puis c'est servi du faux mariage, de l'acte de mariage de 2007 pour pouvoir encaisser tout cet argent-là. On va réécouter encore. C'est la partie la subvention pour parents à charge, c'est ce que tu as dit là. 3 millions, je sais plus combien. Il a donné combien? 3 millions combien? 3 millions et quelques. Okay. Pour qui? Pour la famille à charge, parents à charge, c'est ça, non? C'est ça. Ok. Donc, ça veut dire qu'ils ont donné des trucs pour la famille. Et puis, ils ont dit quoi? RMB. C'est ça. Parents à charge. C'est ça. Voilà. On continue. Écoutez très bien. Sylvie, attends, pause d'abord. Pause. C'est pour ça qu'ils se sont concertés depuis le matin. C'est pour le ridicule qu'ils se sont concertés depuis le matin. Il y a mes enfants qui sont en réunion. Mais merde. Désolé. Prends-nous au sérieux, pardon. Vous voyez, même nous qu'on ne connaît pas, on va faire des recherches là pour comprendre, parce qu'il ne faut pas, il faut pas écouter les gens et devenir comme des idiots sur les réseaux sociaux. Seigneur Jésus-Christ, Yuan Renminbi, c'est ce qui signifie RMB. Le Yuan Renminbi RMB est la devise nationale de la République populaire de Chine. Je ne savais pas que RMB signifiait l'argent de mes parents. TikTok, c'est la magie. Mais comment est-ce qu'ils font pour autant d'analphabètes devant nous? C'est pas possible, hein? Non, on est chouchou comme ça. Allez-y, écoutez bien, continuons. Vous ne pouvez même pas prendre la peine de vous documenter un tout petit peu, là.
Vous ne pouvez même pas prendre la peine de vous documenter un tout petit peu avant de venir faire des lives devant des... Il y a des milliers de personnes qui vous suivent et vous dites tout et n'importe quoi. On peut être aussi des guignols comme ça de l'info. Bon, on va écouter encore, franchement, Cole. C'est ce qui... C'est ça que RMB, là. Oh, franchement, une devise, hein. Ah, on va les écouter. Ah oui, hein, peut-être que Vanessa lui a pris. À charge, c'est ce que tu as dit là. À charge, RMB, 3 245 941. Elle a pas dit, elle a pas subvention pour parents en charge. À charge, c'est ce que tu as dit là. 3 millions, je sais plus combien. Il a donné combien? 3 millions combien? 3 millions et quelques. Okay. Pour qui? Pour la famille à charge, parents à charge, oui, c'est ça, non? C'est ça. Ok. Donc, ça dit qu'ils ont donné des trucs pour la famille. Et puis, ils ont dit quoi? RMB. C'est ça. Parents à charge. C'est ça. Voilà. On continue. Écoutez très bien. Désolé si je rigole. Yuan, la somme. 500 et quelques mille, hein, selon ce qu'il dit. Hein. Voilà, héros, à la famille, charge, ça n'a rien à voir avec les 1 million de madame. C'est ce qu'il veut dire, en fait. Mais attends, moi, je sais que quand on boulotte, hein, ta famille, tes frères et tes soeurs ne font pas partie de ce que... Tu peux aussi demander à Google de lire ça, là. Ah, pourquoi voilà. Je crois directement. Donc, du coup, l'argent, selon eux, l'argent que la Chine a donné à madame, la famille avait 500 000 et quelques euros dedans. Ça, c'est ce qu'ils disent. Hein. Il y a quelque chose à donner. Ça n'avait rien à voir avec les 1 million. Sinon que si la famille avait vrai... Parce que moi, je pense que leur grand frère, là, Momo, c'est vrai, mais il dit quand même des choses qui sont un peu sensées. Parce que c'est lui qui a parlé de... Que Madame n'a jamais eu de milliards, mais Madame a eu 1 million d'euros.
Ça, c'est lui qui l'a dit. Hein. Contrairement aux vidéos, qui sont montées dans tous les... qui sont venus raconter tout et n'importe quoi. Lui encore, il a dit un montant, même si c'est pas vraiment ça, mais il a dit quelque chose de concret, vous comprenez? Mais contre, par rapport aux autres, là, je pense qu'eux, ils sont un peu perdus. Si, si. Mm-hmm. Donc, dans l'argent que la Chine a donné, on a donné une partie pour la famille en charge. Famille en charge signifie RMP. Hey, Yahweh! Oh là là, on va jamais s'en sortir. Les dons que le gouvernement a fait, que les amis ont fait, quand ils venaient déposer les dons, on va dire peut-être tel montant pour la famille, tel montant pour ça. Forcément, la famille en a eu par rapport aux différents dons qu'ils ont donnés. Mais l'argent qui est venu de la Chine, quand la première fois Vanessa elle-même est sortie pour parler, elle a dit, quand Mada a reçu l'argent de la Chine, ils ont dit à Mada, tu as reçu l'argent, donne de l'argent aux mamans des autres enfants, parce que nous, on n'a rien à voir dans cette histoire-là parce que c'est votre argent à vous. Là encore, elle a raisonné là. Parce qu'elle est boss, elle travaille. Et elle sait très bien que dans l'argent qui est venu, il n'y avait même pas un centime pour une famille quelconque. Dedans. Maintenant, c'est ceux-là qui, où il y a des milliers de pays. Si vous pouvez imaginer la vidéo que je suis en train de voilà, vous voyez dans les commentaires. Hein, il faut voir comment les gens tremblent dans les commentaires. Oh, Mada, qui es-tu? D'autres me posent la question. Hey, on fait combien de CFA? Nanana. Il faut des analphabètes notoires. Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que les gens vont plus à l'école là. Voilà. Je ne sais pas si c'était quand la ministre là, elle était au pouvoir, qu'il y a eu ces genres de personnes, mais franchement, waouh, c'est compliqué là. C'est compliqué. C'est bien. Oui. Non, essayons de. Non, disons qu'ils ont raison. Hein? On va partir dans leur sens. Disons qu'ils ont raison. On va juste dire comme ça, qu'ils ont raison. Mais la famille à charge là, c'est qui? Quand on te dit ta famille à charge, c'est qui? Mais c'est la femme et les enfants. Bah, bien sûr, logiquement. Ma famille en charge. En fait, j'ai dit, à moi, toi, on la main. Mais toi, on va tout faire la main. Ah oui, mais parce que quand on parle de famille à charge, c'est papa, maman, les enfants, c'est tout. Ça, c'est grave, on dirait fait que rien depuis là. J'ai dit, mais donc, quoi, ils sont? Tu en as affaire à quoi, là? On assiste à quoi? Famille à charge, RNB. Donc, pour eux, famille à charge, ce sont les frères et les sœurs. Les frères et les sœurs. Vous voyez un peu le contraste. Mets le bouton de rire, s'il te plaît. Mets le bouton de rire. Franchement, dis, parce que depuis, j'arrête pas de rigoler, quoi. Waouh. Famille à charge. Hein. Et ils sont chauds comme ça, là-bas. Ah bon? Famille à charge? Ok, on continue. Attends, mets le bouton de rigoler, là. Donc du coup ils sont un peu perdus là, donc même bon, attendant on va les écouter un peu encore, mais ça me fait trop rigoler quoi, je suis morte de rire, je vous jure. À charge RMB 3 245 941. C'est la partie la pas subvention pour parents en charge, à charge, c'est ce que tu as dit là, 3 millions je sais plus combien il a donné, combien? 3 millions combien? 3 millions et quelques. Okay. Pour qui? Pour la famille à charge, oui, parents à charge, oui, c'est ça, non? C'est ça. Ok. Donc, vous avez dit qu'ils ont donné des pubs pour la famille. Et puis, ils ont dit quoi? RMB. C'est ça. Parents à charge. C'est ça. Voilà. J'ai vu, pardon. On continue. Écoutez très bien. Tu vois, qu'est-ce que depuis je rigole, j'arrête pas de rigoler, quoi. Oui? Je me demandais si Google dit qui peut être une personne en charge. Ici, la personne en charge doit être votre enfant, un de vos petits-enfants, votre frère, votre soeur, votre nièce, votre neveu, votre tante, votre oncle et votre parent ou grand-parent, une personne à votre charge ou celle de personnes conjointes en raison d'une différence des personnes physiques ou mentales. Ils ont commencé, c'est qui d'abord? On dit, qui peut être une personne en charge? Oui. Ici, la personne en charge doit être votre enfant. Reste là, juste là. C'est largement suffisant. Le reste, c'est au cas où tu n'as pas d'enfant. Voilà, c'est tout. On peut faire ça. Ça commence toujours les autres. Ça commence toujours sur l'enfant. Voilà, les autres, là, c'est au cas où il n'y a pas d'enfant que les autres viennent. Sinon, c'est toujours l'enfant. Toujours, on commence toujours sur l'enfant.
Ils n'ont pas sauté pour aller mettre l'enfant en dernière position. Attends, il y a quelqu'un qui a posé une bonne question. Donc même si on prend l'arbre généalogique, c'est toujours l'enfant qui est toujours positionné en premier et les autres viennent après. Voilà. Il y a quelqu'un qui a posé une bonne question. Est-ce que les frères sont sur le papier? Est-ce que les frères sont sur le papier d'imposition? Les parents ont été déclarés dans le club que c'est le jouet qui les prend en charge. Parce que voilà, je ne pense pas là. Voilà, parce que pour bénéficier de ça, la personne doit être prise en charge. C'est-à-dire, lui, le joueur là, il s'occupe de ses parents, comme on le dit, il devait faire une déclaration pour dire, comme ici, quand on fait les OSC, à tout cas, il faut les OSC, non, à leur maman, leur enfant au pays, il déclare dans les impôts pour ne pas payer. Oui. Tu déclares dans tes impôts pour dire, j'envoie chaque fin du mois l'argent à ma maman, mon papa, bien mon fils, avec des preuves. Maintenant, s'il a déclaré là-bas qu'il s'occupe de ses parents, qu'il a les preuves des transferts, tout, ils peuvent être dedans. Mais si ce n'est pas déclaré, eh bien, c'est encore le même problème. Parce qu'on... Je lis Mia, elle dit, dans un tel contrat, le concerné donne des pourcentages à qui le veut, au cas de décès. Mais est-ce qu'il t'a dit que dans son contrat, il a mis en cas de décès, si je ne suis pas là, on peut joindre tel parent? Est-ce qu'on t'a dit qu'il est marié légalement, il a ses enfants? Il ne va pas aller mettre le nom d'un de ses frères, je suis désolée là. Voilà. Mais il y a plusieurs montants, et tous ces montants-là, ils ont dit à qui ça devait revenir. Tu as vu, où est-ce que tu as vu qu'il y avait plusieurs montants? C'est eux qui l'ont dit. Même s'il y a plusieurs montants. Non, il y a le montant des parents en charge, que quand ils ont dit... Voilà, il y a le montant des parents en charge à part. Quand ils ont dit le monsieur, il a dit, les parents sont dedans. Faut répondre, tu vas voir, il y a un montant. Essayez de rejouer un peu, l'audio. On va dire qu'on déjà, ce que je veux vous dire, c'est que nulle part n'est mentionné dans ce qu'ils sont en train de faire. Avec une tradition, on va comprendre le nom d'Éthiopie. On est d'accord. On ne va pas être nulle part, c'est mentionné là. Voilà, donc du coup... Dans un contrat, franchement dit, est-ce que dans le contrat on met que je m'occupe de tes parents ou tes parents? Dans le papier, moi j'ai écouté d'une part, même celui qui a accompagné Mada pour récupérer l'argent, je pense bien aussi que lui aussi, ils ont donné de l'argent pour lui. C'est bien mentionné sur le papier. Non, c'est archi faux. Celui qui a compris, selon ce qu'ils disent, hein, celui qui a aidé Mada à toucher l'argent, Mada lui a promis 50 millions. Dans aucun contrat, ce n'est écrit dedans. Arrêtez ça. Vous pensez que quoi, en fait? S'il vous plaît, continuez à lire l'audio, là. Parce que tu penses que j'ai le temps pour écouter cela. Moi, j'ai mis ça pour rigoler. Moi, j'ai pas le temps. J'ai pas fait mon live. C'est pas ailleurs. C'est là que je suis en train de dire que tu écoutes le live de l'autre côté, non? J'ai entendu, c'est pas ailleurs. Moi, j'ai pas le temps d'écouter ça, franchement dit, parce que pour moi, c'est n'importe quoi. Dans ce qu'ils sont en train de jouer, je n'ai pas entendu Tioté, ni le contrat de Tioté en Chine, nanana. J'ai pas entendu ça. Voilà. Donc du coup, j'ai pas le temps, ça. Moi, c'est pour rigoler que j'ai pas le temps. On continue sur des choses très sérieuses, parce que ça, pour moi, allez-y comprendre, quoi. Franchement. Ah si, moi, j'ai entendu Tioté dedans. Même il y a le doigt de Mata dedans. Voilà pourquoi il y a des... Ça, je pas le temps de jouer ça. Merci beaucoup. Pour pousser un peu, on va comprendre aussi, s'il te plaît. Vous voulez écouter? Parce que moi, j'ai fini. Hein. Pardon. Parce que moi, je n'ai pas écouté. Il faut pousser un peu. D'accord, vas-y. Je fais ça pour toi, mon Sera. Merci, ma chérie. Merci. C'est là où il dit Tion. Tion, là, c'est... Entre les deux parties, la partie a payé 375 932,43 euros.
C'est-à-dire qu'il y a eu plus de 500 et quelques mille euros qu'ils ont donné pour la famille à charge. Ça n'a rien à voir avec les 1 million d'euros qu'ils ont donné pour... Je ne sais pas si vous suivez, hein. Je ne sais pas si vous suivez avec moi. C'est-à-dire qu'il y a eu l'argent a été donné à plusieurs parties. Et chaque partie ils ont donné chaque partie pour des raisons bien précises dans le document. Voilà. De toute façon, les documents sont là. Après avoir écouté, on va s'il faut mettre sur une page Facebook pour que chacun puisse aller capturer la partie qui lui sied et puis aller faire traduire ça où il veut. Pour pouvoir comprendre, mais on va mettre pour vous et puis vous allez faire ça comme ça. Donc ça fait environ 2 milliards qui ont lieu. Donc c'est l'information. Il dit, tout ce que les gens disent sur Mada là, tout est vrai sauf ce que madame même dit. Est-ce que les gens comprennent ça? Tout ce que les autres disent là, c'est ça qui est vrai. Tout ce que Mada dit là, c'est du pipo. Parce qu'elle a cherché à entourlouper les gens. Quand tu dis que dans Google Tradition, tu as entendu le nom de Tioté et de Mada là, à quel moment ils ont dit Tioté et Mada? C'est-à-dire que quand vous êtes dans les lives, vous ne faites pas attention à ce qui se dit, vous entendez ce que vous avez entendu plus tard. Quand ça a commencé, ils ont bien dit le nom de Tioté et Mada. À quel moment ils ont dit Tioté et Mada? Voilà, j'ai suivi les lives. Bon, Chili, tu sais, ici c'est un live des personnes très instruites, s'il te plaît, viens pas nous raconter des balivelles. Merci beaucoup. On continue, mesdames. Merci d'être passé ici. Attends, Fibi, mais lui là, il ne connaît pas le logiciel ou quoi? Dans le logiciel, tu peux bien faire entrer les infos que tu veux avec le nom que tu veux. Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Ne prenez pas tout le monde pour les bêtes quand même à un moment donné. Madame, c'est pas moi qui ai joué l'audio. D'accord, quand vous parlez aux gens, l'audio, tu es monté ici, vous on t'explique, voilà. Plus la peine de nous écouter. Je n'ai pas été impoli envers vous, donc faites pareil aussi. C'est ça la différence, voilà. C'est que... Non, ici, si mon pardon, ne vous parle pas. Vous voulez faire un sondage ou quoi? Personne n'a raison, personne n'a peur. Les bêtes, je dis que ne nous prenez pas. Comprenez bien français avant d'intervenir. Comprenez bien français. Je respecte ces grandes dames qui sont ici. Calmez-vous, ici, il n'y a pas d'injure. On respecte les grandes dames qui sont sur ce panel-là. Je dis qu'ils ne nous prennent pas. Je dis qu'ils ne nous prennent pas pour les bêtes. Tout est dans le respect. Je dis qu'ils ne nous prennent pas pour des bêtes. Est-ce qu'ils comprennent le français? Sylvia, il faut le laisser, il est parti. Laisse-le, il est parti. Je l'ai enlevé là. Ici, on ne parle pas avec. Non. Voilà, c'est mieux comme ça. De parler aux gens là. Non. Mieux comme ça. Jesse n'a pas encore commencé son live là. Donc, on comprend très très bien. Voilà. Ça, c'est et après, on montre l'authenticité du document. Voilà. Je disais que je fais lire le document là, par l'application là, en français. Donc, tout le monde écoute. Les documents sont sur. C'est pas ici. Eh, ouais. Aujourd'hui, c'est un dimanche paisible. Hein. Toi, ici, tu viens d'arriver du boulot? Son frère vous a dit ça hier. Il vous a dit que tu as dit avant de vous donner son argent, il jure dessus. Et moi, c'est ce qu'il a fait maintenant. Ça, c'est un lien, tu fais en toi l'argent et puis Dieu. Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Désolé, hein, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai touché. Je vais ressortir pour revenir là. Voilà. Je sais pas. Elle dit, c'est Ibrahim qui a pris les 1,7 milliard. Et ils ont. C'est pas ça. Si tu as pris l'argent de Tioté pour construire ta maison là, ou alors il dirait que la maison là va prendre feu. Son frère vous a dit ça hier. Il vous a dit que Tioté, avant de vous donner son argent, il jure dessus. Et moi, c'est ce qu'il a fait maintenant. Ça, c'est un lien, tu fais en toi l'argent et puis Dieu. Seigneur, là, tu me
m'étonne. Moi, je cherche ça de la sueur de mon front. Si quelqu'un vient faire ça, tout le monde a fait ça. Si quelqu'un vient prendre mon argent, oui. Et puis il va faire mauvaise chose dessus, que cet argent-là soit mauvais dans sa main. Dans la paix du Seigneur, il prend ton argent, il se va faire n'importe quoi avec là. Ça devient coco baka dans sa main. Tu n'as pas droit. Tu penses que comme Bédel est décédé, toi tu as réussi pour un forti. Tu as fait l'argent de tuyauté dans forti. Faut même pas te faire parler les gens. On nous a appelés, ça nous a parlé. On a respecté les gens. Une personne comme Scott, quand il le respecte, mais il est dans le même combat que nous. Il dit, Bédel est décédé, c'est ma personne, il était à moi. Pas de comment ça m'a suivi. Aya, il dit à force Scott, il tape-le. Toi, tu as les personnes, tu ne veux plus entrer Bédel là-bas. Même la fois, Bédel a touché l'argent dessus. Tellement tu es un voleur, tellement tu es un vaurien en fait. Bédel est décédé, toi tu fais une soirée, les gens n'ont pas payé un ticket pour aller au funérail de Bédel, tu es malade. Les gens n'ont pas payé un ticket pour aller dans la soirée de Bédel, tu es malade en fait. C'est que toi tu vas là partout. Tu peux pas aller travailler comme tes amis, il faut aller. Je te donne Clovis de Béderen. Je te demande Clovis. Il faut aller dans un champ. Va à ta boutique quelque part. Tu vas aller dans un champ pour aller déblayer seulement. Une heure de temps, tu vas comprendre la souffrance d'un homme. Tu peux être pour te débalader dans ta boîte de nuit, prendre cigare pour mettre ton sur ton côté d'arbre là. Tirer cigare de jouer les dangereux, rouler la voiture, de profiter des gens. C'est que tu es garçon, tu es allé. Tu es au père, vas-y, on a menti sur toi. On te voit péter, si tu t'amuses, on t'allume quand tu n'as pas quoi. Et toi, tu es vrai traître, tu es vrai maudit. Je ne sais pas si tu comprends. Voilà, faut même pas tu aies élevé quelqu'un. Toi, tu savais travailler dans ta vie. Un clochard, un falachard comme toi, on n'a qu'à parler de ça. Faut pas fermer ta gueule là. Hein. Tes yeux qui sont sortis, on doit t'adonner peine à perpétuité là. Faut pas tu as te calmer. Faut te jouer les dangereux. Tu vas comprendre que la maman ne cherche pas bien. Moi, il t'allume, puis ça va, Sophie. Ah oui, Sophie, t'as tout compris. Il y a énergie de ça. Ah oui. Je t'ai m'attendu un mois avant. Il a arrêté. Les classes, il a arrêté tout ça, les disait plus. Il n'avait même plus de force. Mmh. Les hommes, il ne pouvait pas répondre. Mais depuis, il a pris un fait des tuyautés là. J'ai énergie jusqu'à ici. Là où il enlève mon énergie. Franchement, merci Simka. À part ça, la chambre. C'est-à-dire qu'il faut fermer ta baisse. Sinon, il y a des détails. Que faut-il là? Bébé? Ça n'a pas de sens. Il y a des détails. Et puis, il y a des mètres. Il y a l'âme de Dieu. Tu n'as pas quoi? Le Bluetooth. Je vais prendre l'âme de Dieu en témoin. Tu vas venir t'asseoir là. Tu vas jurer, il y a t'emmener au cimetière devant Tioté, tu vas jurer si cimetière de Tioté. Si Tioté n'a pas son argent en faute, si tu es garçon, c'est le défi que tu lances. Parce que tu es témoin de ça. Moi, je te lance ce défi-là. Va à l'UNMC devant la tombe de Tioté. Tu vas jurer, Clovis, que dans l'âme de ta faute, là, c'est pas Tioté qui a financé ton faute. Va devant ton que Tioté, tu as juré. Tu fais, tu es pas bien. Moi, je peux demander. Il ne faut pas fermer ta bœuf. Tu n'as pas droit. Après le faute, là, madame, elle est pas au de ça. Dans 10 minutes, je vais prendre le téléphone. Elle ne sait pas. C'est Clovis qui a mis Tioté dans ça. Arrête, fais du bruit avec Pascaline. Va-t'en, s'il te plaît. Calmez, faut te calmer. Hein. Il y aura Milan. Hein. Il y aura Milan. Clovis, il y aura Milan. Il y aura Milan. Il ne faut pas que tu aies quelqu'un. Hein. Clovis, il t'en. Clovis, il t'en. Il ne faut même pas que tu aies quelqu'un. Même si c'est ça. Il y aura Milan. D'accord. Ibrahim. Mada, il n'était pas oublié. Il est revenu sur toi. Quand tu penses à faire ça, fait des TikTok où on parle plus, avec des internet où on parle une semaine, ça finit. Tu connais? Il y a l'énergie de Tioté. À l'heure là, il boit l'énergie de Tioté. De toute façon, les gens boivent à l'heure pour avoir l'énergie. Moi, il y a l'énergie de Tioté. Tous les matins, quand il boit pour ses yeux à régler ses passes. Faut t'asseoir dans ta vieille résidence là. Et ton filet chiant, tu as porté là. Tu as te jouer les dangereux, tu as pris un numéro de Bénin, un numéro
avait appris quelque chose. Il ne peut pas avoir nom dans sa paix, lui-même c'est infini. Bon, il travaille un peu, mais il ne pense pas qu'il a réalisé quelque chose dans sa vie. C'est quand il y a un peu d'argent, il va s'asseoir, il boit deux Guinness. Mais la Camerounaise qui l'a mariée là, elle ne s'est rien parlé. Moi, j'ai confiance au Camerounais. Camerounais, Seigneur. Aïe, ah, ouais. Aïe, ah, aussi. Petit, mini. Si, en tout cas, s'il a fait petit économie. Je le confie à cette Camerounaise-là. C'est qu'à le régler. Faut te presser, tu vas aller la marier à la mairie. Si tu as pris l'argent de Dioté pour construire ta maison-là, ou alors il dirait que la maison va prendre feu. Ici, elle finit, hein. Je sais pas s'il y a une autre vidéo qu'on va écouter. Hein. Elle dit, c'est Ibrahim qui a pris les 1 milliard 700 millions. Et ils ont viré, il a viré 1 million d'euros à Mada. Parce que hier, elle dit, ma petite soeur, Mada a eu 1 million d'euros dans l'argent. C'est 1 million d'euros qu'elle a eu. Que ça fait 650 000. C'est plus milliard maintenant. 1 million d'euros elle a eu. Que ça fait 650 millions. Que 650 millions. Hein. Que Mada a eu 1 million d'euros. Que Mada n'a pas eu 1 million. Que en fait c'est le Ibrahim en question. Comme c'est lui qui est traducteur, la Chine a payé 1 milliard. 700 millions. Et l'Ibrahim en question là, il a déclaré 1 million d'euros. Alors ce qui est bien, c'est que hier j'étais à une cérémonie, hein, voilà, où les amis de Bedel ont décidé de faire, de lui rendre hommage, hein, vous comprenez? Voilà. Parce que quand tu es un peu dans la cour des grands, vous savez que c'est pas comme les autres. Hein. Donc tous ses amis ont décidé de lui rendre hommage. Hein. Alors, le comité d'organisation à la tête Edgar Oufoué a décidé que chacun participe à hauteur de 100 000 francs. Parce que c'était un dîner gala, voilà, pour passer du bon moment, pour parler du défunt, pour que les amis, la famille et tout se rappellent des très très bons moments passés avec lui. Donc, dans la salle, il y avait de très grands écrans géants où on mettait ses vidéos. Je pense même que j'ai fait un live là hier nuit, aux environs de 1h du matin, voilà, pour partager ça un tout petit peu aux abonnés, voilà, pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer et tout, vous voyez, c'est un peu pitoyable quand même quand on ne sait rien, quand on te met sur la toile pour gueuler. C'est un peu déplorable, non? Voilà. Et ce qui est bien, c'est que devant près de 500, oui, parce que la salle était très très grande, hein, devant près de 500 personnes, ils ont raconté l'histoire du gros Bedel. Comment est-ce qu'il a fait pour avoir sa boîte de nuit et tout. C'était tellement émouvant, c'est vrai que hormis les artistes qui étaient là et tout, par moments, c'était un peu triste. Après, les gens dansaient et tout, il y avait tellement de personnalités là-bas que vous ne pouvez pas imaginer. Et à la suite de ça, il y a des gens qui ont fait plein de dons, voilà, pour ses obsèques. Sinon, cette idée n'est même pas venue de Clovis en plus, hein. Non, pas du tout, voilà. En plus, je crois que j'ai un peu enregistré quand même quand il est en train d'expliquer l'histoire. Hein. Il n'y a que ceux qui ne connaissent pas l'histoire qui peuvent écouter ça. Sinon, ça marche pas avec nous du tout. Voilà. Aucune preuve, rien du tout. C'est un peu déplorable. Hein. Toujours à proliférer des vilaines paroles, en fait. Hein. À l'encontre des gens, des uns et des autres. On ne sait même pas qui leur donne ces informations. Je ne sais même pas. Qui leur donne? Mais il n'y a aucune information. Si le document est quitté ici, qui leur a donné le document de la Chine à Seki? Ouais. Tout la tâche, John, je disais la même chose en disant que si c'est vraiment Ibrahim, parce que dans un premier temps, les premiers jours, on disait que c'était Ibrahim qui avait débloqué l'argent. J'ai dit que si c'est vraiment Ibrahim qui a débloqué cet argent, non, c'est Ibrahim qui le donne des informations parce que considérons que
c'est Mada qui avait préfait la procuration à Ibrahim pour débloquer cet argent depuis la Chine. Et ils m'ont dit non, c'est Mada elle-même qui est partie en Chine débloquer l'argent. Mais ce sont les informations personnelles. Alors, si c'est elle-même qui est partie en Chine débloquer cet argent, c'est les informations personnelles. Ce qui me dit que c'est personnel, les informations de Tioté et Mada personnelles. Personne d'autre ne peut aller à la banque se présenter en disant que je veux connaître les vies remotes de ça. Et vu qu'ils avaient aussi dit qu'il y avait Ibrahim qui avait une partie d'argent, c'est pour ça qu'il était dans le sinon. J'ai dit, s'il est impossible, s'ils ont fait le virement à Mada d'après vous sur un compte se trouvant en Côte d'Ivoire, la banque ne peut faire le virement à un seul compte. Même s'ils font le virement en plusieurs fois, mais c'est à un seul compte. Surtout pas à un compte qui ne porte pas le nom de Mada. Donc, au fait, dans tout ça, là, je dis, mais au fait, depuis là, ils nous prennent pour vraiment, on observe, mais ils nous prennent pour les BR. C'est vraiment décevant. Parce qu'ils sont en train de nous faire tourner, ils reviennent, ils disent non, pas ça, ils essaient de rectifier, ils disent non, oui, ça. Et il y a toujours les gens qui sont là qui disent oui à tout. Et quand tu essayes de commenter et de dire le contraire de ce qu'eux veulent entendre, ça y est, on te prend, on commence à te traiter de bête, tu ne comprends pas quoi. À un moment donné, je dis que mais c'est qui le vrai bête? Bon, bref. Ah ouais, merci. Attends, je vais jouer. En fait, j'ai pris ça. J'ai pas envie de commencer le début, mais il a dit. C'est allé très très vite. Hein. Donc, on y va. Ok. On se voit quoi, Philippe Létanou. Ils disent non, ils venaient t'associer avec nous. Les gens disent non, ils ne veulent pas t'associer, ils viennent prêts. Et c'est comme ça qu'on s'en va voir Ben Ali. Il y avait moi, il y avait Scarface, et puis il y avait Serge Alain Bois. Ben Ali nous dit. Il a compris, mais il va réfléchir. Ah, Ben Ali, il réfléchit là encore. On dit, ok, on a compris. On dit, mais quand? Il dit, c'était en allant le voir le 8. Donc, il dit, bon, c'est donc bien après demain. Jusqu'à une semaine, on attend Ben Ali, il ne nous appelle pas. Ah, il m'appelle, il dit, petit, les jours où André Ben Ali a pris la brousse, hein? On dit, Jésus, non, Dieu est grand. Et c'est comme ça, Ben Ali nous appelle vers le 20 novembre. On arrive chez lui vers les 16h-17h, on s'axe au ballon. On avait faim, parce qu'on n'avait même pas mangé. Il y avait moi, Navara, et puis Scarface. On s'est assis, on ne veut pas dire à Ben Ali qu'on a faim. Donc on pose Ben Ali, dans ça, il nous demande, est-ce que vous ne voulez pas manger quelque chose? Pas. Là, on a bloqué. Moi, je veux manger ça. Et on a pu manger, on s'est assis, Ben Ali dit bon. Allons-y voir M. Edgar Gersaman, qui est le propriétaire du local du plateau. Allons-y voir Edgar Gersaman. Il vous explique là l'histoire du parti. Et puis bon, on va voir comment ils nous rembourser. Ils donnent les 15 millions. Voilà, nous, maintenant, on n'a pas l'argent pour faire travaux. On fait comment? On s'en va voir Ben Ali encore. Vous avez entendu, Bédé, elle avait besoin d'argent pour faire sa boîte. Déjà, pour payer la caution, il fallait 15 millions. Et ils sont allés voir le Marocain. Ben Ali a payé. Ben Ali a donné 15 millions. Quand Ben Ali donne les 15 millions, il faut maintenant l'argent pour faire la boîte. Il n'y a pas l'argent pour faire la boîte. Ils sont revoir encore Ben Ali. En aucun moment, Tioté n'est cité dans cette histoire-là. Il n'a jamais dit. Ça veut dire tout ce qu'il raconte même, c'est des connus. Ils n'ont pas dit que comment on appelle, que le bar à sa continuité. Mais jamais de la vie. Bon, je suis en train de vous dire que ce que je suis en train de jouer là, c'est hier que ça s'est passé. Devant près de 500 personnes, ils ont raconté l'histoire de comment Ben Ali fait mettre en place sa boîte de nuit. Voilà. Peut-être que... Si, attends, moi je veux peut-être aller dans leur sens. Hein. Mm-hmm. Si par exemple, Tioté, père à son âme, était ami à Bédel, et que à ce moment-là, Bédel ayant besoin d'un peu d'argent, explique peut-être sa situation à son ami. Son ami dit, bon, je t'apporte mon soutien là. Est-ce que ça veut dire que... Non, mais Bédel n'a jamais vu. Bédel n'a jamais vu Tioté, même pas du tout. Est-ce que tu connais les footballeurs? Pourquoi il ne sait pas que Bédel connaît? Tioté, il est trop petit à côté de tous les grands footballeurs que Bédel voyait. Franchement, il est trop petit. Là. Continue. Il faut que vous vous mutez, hein, parce que c'était l'enregistrement, j'ai fait ça, c'était pas... Ouf.
Freddy, il y a du bruit chez toi. Voilà. On y va. Je veux pas du bruit, s'il vous plaît. Ah, voici le truc qui est là. C'est vrai qu'on t'a demandé 15 millions, mais il y a les travaux encore. Et c'est comme ça, Ben Ali, il dit, bon, ok, je vais faire les travaux, mais je vais mettre la boîte à mon nom, mais je vais signer un contrat à côté avec Bédel pour lui dire que si elle finit de retirer mon argent, la boîte lui revient. Elle dit, ok, on a compris. On devrait ouvrir le 11 novembre et on a ouvert et le 11 décembre et on a ouvert le 12 décembre 2013. Photo, on a tapé. On n'a pas dormi. Et là, il dit petit, on va aller en prison, hein? Il dit petit, on va aller en prison. Il dit non, vieux, tu es grand. Tu nous envoies là, c'est qu'il est un plan pour nous. Et c'est comme ça, le 20 décembre, l'anniversaire du gros village. Le fort qui a été collé jusqu'aujourd'hui, sa sauvation. Donc on a en train de travailler. On rentre en 2014, 2015. On fait les calculs, on voit que Ben Ali est arrivé. On dit bon, il dit bien, mais vieux. Voilà ça, quand il fait le point des trucs là. Ah, on dirait que pour voir la vie, hein, il faut voir. Je pense que j'ai coupé parce que j'avais reçu un coup de fil. Désolé. Non, parce que j'ai reçu un coup de fil, donc j'ai coupé. Parce que comme il a dit, ils sont allés voir Ben Ali. Quand Ben Ali a pris, voilà, il a récupéré son fonds de commerce et tout, ils avaient encore besoin d'argent pour modifier le forti. Et ils sont allés voir, comment est-ce qu'il s'appelle là, son cousin, hein? Le fils du sponsor, voilà. Ils sont allés voir le fils du sponsor. Tous ceux qui sont dans la nuit savent très bien qui est le fils du sponsor. Et c'est lui qui leur a prêté encore de l'argent. Il a remodifié le forti. Et après ça, il a commencé à prendre maintenant un crédit. Il travaille avec une microfinance jusqu'à ce qu'il décède. Il a toujours pris ses prêts dans cette microfinance-là. Il n'y a pas de nom de footballeur ni rien. Vous, il y a quelqu'un qui m'a écrit dans les commentaires qui m'a dit Tioté est petit, il souffre Diaby, ça ne va pas dans ta tête. Tu sais quels sont les footballeurs que Bédel côtoyait? Vous pensez même que votre tioté, c'est qui? Tu penses que ton tioté, c'est qui devant les comment il s'appelle? Les Drogba qui étaient tous en forti, devant Etofis, devant tous ces grands footballeurs à l'époque. Ton tioté, c'est qui en fait? Ton tioté, il avait fait d'argent qu'est-ce qu'on a dit et autres? Arrêtez d'emmerder les gens là, vous pensez que quoi? Tu sais quels sont les footballeurs que Bédel côtoie? Comment on appelle le Togolais, Adebayo et tout, qui sont tout en forti, forti, qui sont ses amis. Arrêtez d'emmerder l'esprit des gens, hein, ok? Tioté, il était l'ami de Clovis, mais Clovis, c'est pas Bédel, je suis désolée, là. Clovis travaillait pour Bédel. Vous pensez que quoi, en fait? Quand on parle Tioté, il avait quoi devant les cadets qui étaient à l'époque quand cela jouait? Regardez-moi ces plaisantins, là. Quand vous entendez milliards, vous devenez fous. Vous êtes incapable même de réfléchir à vos neurones, là, franchement. Bande de ploucs que vous êtes, dans les commentaires. Pour tous ceux qui m'énervent, bien sûr, papa de tout le monde, désolé, mesdames. Pourquoi leur blogueuse, là, continue d'insister dans la connerie, en fait? Ah, mais je sais pas du tout, hein. Je sais pas. Je pense que sa plainte va pas tarder aussi, en sortie, là. Raconter des bêtises. Vous pensez que quoi, même, franchement? Vous pensez que quoi, en fait? Est-ce que vous pensez, vous savez, le monde que Bédel côtoyait, vous parlez, on parle tioté. C'est qui lui? Lui, c'est qui en fait? C'est qui? C'est vous-même, c'est parce que, bon, c'est vrai qu'il y avait la CAN en 2015. Est-ce que ce tioté, il a plus d'argent que j'avais? Ah, j'ai dit j'avais parce que c'est mon ami. Hein. Est-ce qu'il a plus d'argent que lui? Arrêtez d'emmerder les gens à un moment donné. Il a joué où exactement? À cause des miettes qui l'empêchent, on ne peut plus respirer en fait. Vous connaissez le parcours des autres footballeurs ou quoi? Même moi en tant que Gabonais, c'est maintenant que je découvre son existence. Pareil pour moi, même moi qui était ivoirienne, je ne connaissais même pas trop, hein, franchement. Dans l'équipe nationale, on ne les connaissait pas.
Dont vous parlez tant, en fait, même Franck Caissier, c'est la même génération. Est-ce qu'il a plus d'argent que Franck Caissier? Il est mort là. A-t-il plus d'argent que lui? Il est mort là. Attends, c'est la façon dont il est mort là, c'est ça qui a fait que les gens m'ont entendu parler de lui. Hein, exactement, sinon, merci là-bas. Vite fait, c'était pas vraiment un A. J'ai entendu vraiment parler de sa mort, mais c'était vite fait. C'est maintenant qu'on découvre le monsieur. On vous parle de la vie d'une personne qu'on a côtoyée, qu'on était ensemble à tout moment, vous êtes là, non, tiété. La femme même vous a répondu quand je lui ai posé la question. Elle dit, mais quelqu'un qui était musulman, qu'est-ce qu'il ira chercher dans les histoires de boissons? Vous n'avez pas de tête pour entendre? Elle est en train de salir comme ça l'image du monsieur. Et vous êtes là, vous applaudissez, pourtant vous vous dites des fervents musulmans. Est-ce que vous vous êtes elle ouvre sa bouche maintenant pour dire que oui, Mada n'était pas au courant. Ça veut dire que Mada est venue te dire qu'elle n'était pas au courant. Donc quand c'est ça là, ça vous arrange. Hein. Là, d'accord. Tu la crois. Là, elle la croit là. Elle n'était pas au courant de quoi? Son mari avait son âme dans ça. Il y a Momo qui est là, posez-le la question de savoir. Si ils ont une fois leur grand frère, une fois investi un centime au forti, ils vont vous répondre, ils sont là, non? Posez-le la question de savoir. Clovis, c'est pas Bédal, hein? Clovis était l'ami de Thioté. Clovis et Thioté se séparent en 2015, par là. 2014-2015, quand il fait son mariage avec Laetitia et autres. Après, ils n'étaient plus, ils ne se côtoyaient plus. Donc après, c'est Jojo qui reste. Donc si vous n'avez rien à dire, arrêtez d'emmerder les gens. Voilà. Ça le fait même d'insister dans la bêtise que je comprends ma pas. Chérie, franchement, quand il était grave connu, nous, on ne le connaissait vraiment pas. En tout cas, moi, je ne le connaissais pas trop, hein, parce que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il y a des joueurs clés qu'on connaissait. OK? Après, bon, si, mais il y a des joueurs clés. Quand tu dis le nom, tout le monde les connaît. À l'époque de Thioté, nous, on connaissait Didier Drogba, on connaissait Yaya Touré, on connaissait... Non, mais il n'a pas joué à Drogba. Il n'a pas... Bon, il a joué avec Yaya Touré, non? Oui, il a joué avec Yaya. Il y a Touré, Franck Caissier, tout cela. Qui encore? Voilà les quatre. Même le capitaine Serédier. Voilà, les Serédier et autres. On est, vous êtes là quand on parle Baki. Donc Baki connaît ça, c'était autant des groupes. Baki connaît Aruna Dendané, Nanani Nanana, voilà. C'est la mort même qui a fait que, franchement dit, sinon, et puis s'il ne venait pas en équipe nationale, qui l'aurait connu, franchement dit. Hein. Il y a des joueurs même qui ne se jouent pas dans l'équipe nationale, mais des gens les connaissent tout de suite. Hein. Donc ne venez pas fatiguer la tête des gens. Vous êtes là, milliard, oh il a eu milliard, oh il a eu milliard. Quelqu'un même, c'est vrai que le club chinois l'a acheté cher, mais ce club l'a joué en deuxième division. Ils n'ont même pas eu la rentabilité de l'argent qu'ils ont investi. En fait, plus le gars, il est décédé. Donc vous pensez qu'on va les dilapider comme ça de l'argent? Il a fait combien de mois exactement en Chine? 3 mois. Et quand il quitte Newcastle, il ne va pas tout de suite en Chine. Hein? Il est blessé. Donc, il fait 1 an où il ne joue pas. Apparemment, dit les gens, c'est comme si les gens sont bornés là. Ils ne se rappellent pas de ça. De 2015 à 2016, Thioté est blessé et Thioté ne joue plus. Il est blessé là. Il ne joue plus. Et c'est après ça qu'il va en Chine. Bon, le petit temps de pause qu'il faisait, vous connaissez pas la vie des gens. Et si on veut parler, ça sera pas joli, joli du tout, franchement. Du coup, nous, on se retient beaucoup, en fait. Hein. Donc, ne venez pas provoquer les gens, vous comprenez? Comme madame, la cycle, le monde dit, si je parle, je vais exposer mon mari et tout, je ne veux pas l'exposer. Et je pense que pour ceux qui comprennent, ont compris qu'il y avait beaucoup de choses. Et chaque famille a ses petits secrets. Oui, Jossi. On va changer un peu de sujet là. Je suis fatiguée de parler de Thioté. Tracy, t'as même trouvé la vidéo de son frère qui est en train de.
attendez, je vais répondre à Charlène. Charlène, tu sais, tu dis, oui, toi-même, tu sortais avec le... Ciao. Attends, allez, amuse-toi, s'il te plaît. Je vais répondre à Charlène. Non, non, ne la mettez pas, s'il vous plaît, les modératrices, ne la mettez pas. Tu cherches Charlène. Tu dis bien que tu sortais avec le temps. Tu es devenue quoi? Quand tu me regardes là, ma vie est misérable, je te demande. Hein. La personne qui s'est mise à parler de moi, qui dit que j'ai parcouru tout le monde entier, que je voyage en business class et autres, là, quand tu vas regarder mes statuts, tu penses que je suis misérable quand tu me regardes? Tu crois que je suis misérable comme vous, vous n'avez pas de vie? C'est ça? Parce que apparemment, si vous connaissez la vie des autres, mais vous ne connaissez pas votre propre vie, misérable et merdique. Hein? Quand tu me vois en train de m'exprimer ici, tu penses que j'ai besoin de quelqu'un pour me faire, je me suis fait moi-même. Ok? La preuve, quand quelqu'un a son business, que vous dites que la personne est serveuse dans son propre business à elle, tellement vous n'aviez pas de vie en fait. Maintenant, la différence, c'est que je peux vous embaucher. C'est ce que vous ne savez pas en fait. Voilà. Ma vie, ce n'est pas les réseaux sociaux. Ma vie, elle est réelle. Et ceux qui me connaissent dans la vraie vie, ils savent qui je suis. Vous comprenez? Donc du coup, je n'ai pas à vous répondre. Vous vivez dans la vie des gens. Vous vivez dans la peau des gens. Pourtant, vous n'avez pas de vie. Votre vie n'est que merdique. La preuve, là, c'est moi qui fais mon live et tu viens me regarder, non? Alors que moi, on parle de moi. Vous n'avez pas remarqué que je suis devenue votre star sur les réseaux sociaux? Vous n'avez pas remarqué que dans un béret qui concerne la famille Tchioté, on vient, on me clash. Tu n'as pas remarqué que je suis devenue... Je suis plus star que ces personnes-là. Je ne fais pas du suivi moutonnier, moi. Je m'exprime. Hein. Je ne zozote pas quand je suis en train de parler, là. Et quand je parle, on m'écoute. Tu comprends? Voilà. Et c'est moi. Je partirai encore dans même pas longtemps. Ok? Je me pose bien même la question de savoir s'il y a des gens qui sont en France depuis qu'ils ont déjà pris un avion ou s'est déplacé. Je n'ai pas l'impression. Ok? Voilà. Je suis et je demeure. Ça ne chauffe pas du tout. Mm-hmm. Je te le répète encore, je peux vous embaucher. Parce que moi, j'ai des employés. Hein. C'est ce qui est réel. Hein. Bibi, tu comprends? Voilà. Moi, j'ai des employés, moi. Tu es fatiguée. Ok? Tu es fatiguée pour répondre. Non, je ne me fatigue pas. Je réponds à cette idiote qui m'a commentaires. En fait, vous n'avez pas peur. Quand tu écris le nom d'une personnalité dans les commentaires, tu n'as pas peur. Ça veut dire que je ne suis pas votre égal. Parce que moi, je joue dans la cour des grands. Je ne joue pas dans la basse cour. C'est ce qui vous fait mal. Je te le répète encore. Je joue dans la cour des grands. Je ne joue pas dans la basse cour. Hein. Il n'y a pas de va-nu-pied dans mon entourage. Les va-nu-pieds, ça ne pousse même pas dans mon entourage, moi. Voilà. Donc, c'est ce que tu dois comprendre, là. On continue, mesdames. Continuons le béret. Non, par moment, il faut que je réponde un peu. Ça m'amuse, en fait. Ne vous inquiétez surtout pas. Descends là, pousse à finir. Mais non, je ne vais pas la bloquer. Laissez-la. Pas besoin de la bloquer. Non, c'est pas sur ton live. Est-ce qu'elle peut faire ça? Non, elle n'insulte pas, mais elle s'insulte elle-même parce que sa vie est merdique. Elle qui a un téléphone Intel, qui a une connexion de 200 francs, qui vient écrire. Vous n'avez pas peur de moi? Aïe, ah, ouais. Ah. Il faut être une connasse hein, pour être pour être à un niveau élevé et pour descendre si bas. Ah voilà, c'est pas parce qu'on vient renchérir sur les réseaux sociaux que vous pensez qu'on est pareil. Non, 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 non. Déjà, même ma manière même de m'exprimer, il y a une différence entre vous et vous n'avez pas remarqué. Tous les jours, oh, son faux chocobie. Je joue dans la cour des grands et non pas dans la basse cour. C'est bon? C'est pour ça que je vous dis que vous et moi, on n'a pas le même level. Hein. Donc comprenez, ainsi quand je vous dis que vous, il n'y aura jamais le même level. Il y a quelques berets encore sur la toile. Non, par moment, laisse-moi les répondre un peu, ça m'amuse, t'inquiète pas. C'est que moi, je n'aime pas les organes. Hein. Voilà. D'après vous, vous êtes des influenceurs, mais vous me clashez. On peut clasher une personne comme ça sans importance, là. C'est parce que je dérange fort. Mon intellect vous dérange. Mais logique, souffrez. Sylvie, bonsoir. On y va, Sylvie. Jimmy, on dit quoi, Jimmy? Tu vas bien? Oui, ça va, Sylvie. Je suis monté juste pour ça, parce que j'ai l'impression que tu donnes trop d'importance à... Non, je ne donne pas d'importance. C'est parce qu'elle est venue m'écrire dans les commentaires que je dis réponds, t'inquiète, suite ou pas? Mais bloque simplement. Tu sais, quand nous, on va dans les commentaires de...